C'est une grande joie et un grand honneur pour moi de vous accueillir ici à Cambridge. Ça fait des longues années que je lis certains de vos livres, hélas pas en portugais, j'en ai honte, croyez-moi, mais le portugais est une langue difficile et je vous lis en français, en allemand et de plus en plus en anglais, où votre œuvre commence finalement à être bien plus largement connue. Alors permettez-moi de vous remercier de votre visite. C'est moi qui dois vous remercier à vous. Vous savez, c'est la première fois que je fais ça. Je n'ai jamais visité personne, je n'ai jamais allé chez personne. Presque toutes les invitations pour sortir de mon petit trou, je les refuse. Mais avec vous, je ne pouvais pas le faire. Je crois que j'ai tous vos livres, ou presque tous vos livres, en espagnol, en français, en anglais. Et j'ai beaucoup appris avec vous, et je continue d'apprendre beaucoup avec vous. Vous êtes un maître au sens plus noble du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui apprend avec moi. Et ça, c'est le plus beau titre, à mon avis, que je peux donner à quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de, qui m'apprend en apprenant. Et c'est ça que... Et j'avais très peur, comme je suis très, très solitaire et je parle peu, que le courant ne passerait pas, je vous l'avais dit tantôt. Et pourtant, le courant passe et ça me donne une immense joie. Une immense joie. C'est toujours drôle de rencontrer un auteur que vous admirez depuis très longtemps et dont vous lisez les livres, hein, parce que soudain les livres deviennent différents. Oui, oui. Tout à fait différent. Quand on connaît l'auteur, les livres deviennent différents. Et vous avez comme une... C'est mon cas, une compréhension, je crois, j'imagine, plus organique du texte. Non? Quand on regarde dans les yeux de l'auteur. Parfois, c'est très dangereux de rencontrer un auteur qu'on admire, parce qu'il peut être une grande déception personnelle. La plupart des fois. Voilà. Pour vous donner un exemple évident, j'aurais pu rencontrer Borges, que je lis depuis mon enfant. Il était en Europe, il était en Angleterre. Et puis c'est lui qui est venu ici, dans cette maison, nous dire bonjour. Et c'était inouï. Borges était totalement aveugle, totalement. Il s'approche de ma porte et il dit, il va pleuvoir. Et je dis, comment vous savez? Il a dit, quoi? Vous ne sentez pas la venue de la pluie? Il avait un odorat merveilleux, comme beaucoup d'hommes aveugles. Alors ça a été un grand privilège et un grand bonheur. Dans d'autres cas qu'on ne va pas mentionner, ça peut être une grosse déception. Ça peut être que l'auteur... Il ne faut jamais ennuyer les auteurs. Ils ont trop à faire. Alors j'hésite toujours à prendre le temps d'un grand écrivain. Avec les scientifiques, mes collègues ici, c'est très différent. Ils aiment expliquer. Ils aiment essayer de vous faire comprendre les miracles de la science actuelle. Quand on leur dit « Est-ce que vous pouvez me faire comprendre un peu ?» ils disent « Un tout petit peu, parce qu'il faudrait 50 ans de mathématiques pour... Mais on va essayer. » Alors. Est-ce que vous avez des amis médecins aussi, ou des scientifiques sérieux? Oui, j'appartiens à une famille de médecins. Mon père était prof à la fac, un de mes frères l'est aussi, etc. J'ai fait la médecine parce que j'étais le fils aîné d'un médecin. Oui. Et il y avait... Enfin, c'était une tradition familiale. J'avais dit à mon père, quand j'avais 12-13 ans, moi, ce que je veux faire, c'est d'écrire. Il m'a dit... Donc c'est bien que tu fasses ta médecine, car peut-être ça va t'aider à, discipliner tes raisonnements, blablabla.
Et donc comme ça, à 16 ans, je suis entré à la fac médecine, mais ce que je faisais, c'est d'écrire tout le temps et de lire. Il avait une bonne bibliothèque. J'ai commencé par lire les livres de mon père. C'était très drôle, vous savez, car nous sommes 6 garçons. Et dans les premières 5 années de mariage, ma mère a eu 4 enfants. Donc tout le monde était malade en même temps. La grippe, la petite vérole, etc. etc. Et mon père s'asseyait sur un des lits de mes frères ou le mien et nous lisait à haute voix les auteurs qu'il aimait, Flaubert, etc., les poètes. Et c'est très drôle parce qu'il est mort à 89 ans, il y a 7 ans. Et un de mes frères lui a demandé « qu'est-ce que vous auriez aimé d'avoir laissé à vos enfants ?» Et lui, qui était un pathologue, un neuropathologue, il a répondu « l'amour des belles choses ». Je pense, j'espère ne pas dire des bêtises, mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. J'ai souvent pensé à vous et à Tchekhov, comme deux génies dans lesquels la médecine est importante dans l'imagination. Je m'exprime naïvement. Dans vos romans sur les terribles années à Lisbonne, et sous le despotisme et le danger, il y a, comme chez Tchekhov, une sorte de pardon pour l'homme. Vous pardonnez beaucoup à l'homme. Vous n'êtes pas un maître de la haine. Il y a des grands écrivains qui sont des maîtres de la haine. Vous et Tchekhov, et j'ai toujours dit, pour moi, c'est le côté du médecin qui pardonne à l'infirmité de l'homme. Et dans vos écrits sur l'Angola, dans vos lettres à votre femme, ce côté du médecin est très important. Vous connaissez l'œuvre de Tchekhov sur la Sakhaline, sur l'île Sakhaline. Bien sûr, c'est un des textes que j'aime comparer à Lobo Antunes. Non, c'est important. C'est drôle, ça. Quand vous parliez des maîtres de la haine, tout de suite, la personne qui m'est venue à la tête, c'est Céline. Immédiatement. Juvenal aussi. Juvenal. Swift. Swift est terrible. Terrible, la haine. Terrible. Il y a des grands maîtres de la haine, et ça peut donner des grands livres, parfois. C'est assez rare, mais je crois que chez vous, vous pardonnez beaucoup à l'homme. Le problème, c'est qu'on ne se pardonne beaucoup, on ne se pardonne pas à nous-mêmes. Non, ça, nous n'avons pas le droit. Mais il faut le pardonner aux autres. Et nous sommes maintenant de nouveau dans une époque où il y a énormément de haine. L'Amérique, ce grand, grand pays, jamais la politique n'a été aussi pleine de haine. Ce n'est pas dire « je ne suis pas d'accord avec vous », on dit « je vous déteste ». C'est très, très dangereux. Ils montent des vagues de haine aux États-Unis et dans d'autres parties du monde. Ne parlons pas du Moyen-Orient, où il y avait des chances inouïes avec la création d'Israël. Et ça a tourné dans une haine impardonnable, non négociable, comme dans certains de vos portraits, de vos études de la période Salazar, quand régnait la haine. Est-ce que ça, au moins, vous êtes plus optimiste maintenant? Je ne sais pas. Vous savez... Je crois que je suis un... Je pense pas beaucoup. Je suis pas capable de... Comment vous dire? Je crois que j'ai des réactions de bête. Et que... Ou une vocation, une sorte de vocation animale. C'est très étrange. C'est une chose que dans vos livres m'aide beaucoup. C'est qu'il y a une réflexion tranquille sur la condition humaine. Tranquille, je veux dire, c'est une réflexion en fait très inquiète et parfois très inquiétante.
Mais il y a quand même la capacité de regarder le monde avec un regard, comment on peut te dire ça en français, serein. Il y a une certaine sérénité et une sagesse qui vous permet d'aborder les différents sujets avec une impartialité, à part toutes les autres qualités que je trouve dans votre travail, avec une impartialité que quelqu'un comme moi, que je suis toujours très partiel, moi j'ai beaucoup de... Je suis très jaloux de cela, cette profonde capacité de... C'est même pas un jugement. Vous suggérez plus que vous ne jugez, ce qui est beaucoup plus important, car ça a beaucoup plus force pour le lecteur. Vous avez connu directement des expériences atroces en Angola. Vous avez vu de vos propres yeux des violences et des souffrances que moi, je ne connais, Dieu merci, qu'à seconde main. Et ce que je vois dans votre œuvre, ça nous aide à comprendre cette énorme injustice. Toute politique est une injustice. Et vous nous aidez beaucoup à comprendre ça. Mais comment, à votre avis, comment pourrait-on faire pour que la politique soit moins injuste? Personne depuis Platon n'a une bonne réponse, mais il y a certains très grands changements. Le temps de la femme commence. La femme, jusqu'à maintenant, a été terriblement tenue à l'écart. Lentement, même dans le tiers-monde, les femmes vont finalement avoir droit à l'éducation, à la vie publique. Ça va être un changement, je crois, énorme. Et l'autre paradoxe, c'est celui-ci. La guerre locale est très possible. Les guerres, petites guerres, les grandes guerres sont probablement impossibles. Si on lâche des bombes nucléaires sur quelqu'un d'autre, on va être détruit soi-même, totalement. Depuis la mort de Mao Tse-tung, il n'y a personne, je crois, qui serait prêt à perdre 300 millions de personnes. C'était le calcul de Mao Tse-tung. Nous perdons 300 millions, mais nous gagnons le dernier jour. C'est de la folie terrible. Je crois que même un monsieur Poutine jamais ne réfléchirait comme ça. Ce sont les petites guerres qui peuvent devenir terriblement dangereuses. Et les guerres civiles à l'intérieur de nos pays. 200 000 morts au Mexique, c'est un pays que j'adore. Et les narcos, merci. Les narcos, le meurtre quotidien dans les rues des villes mexicaines, ce sont les morts par violence, les haines aux Indes, les hindous et les musulmans sont les haines intérieures. Ce qui m'effraie le plus, c'est le fondamentalisme, la remontée des religions primitives. Malraux a dit « Le 21e siècle sera celui des plus grandes guerres de religion. » C'est possible. C'est possible, c'est probable, je sais pas. En tout cas, c'est curieux que les guerres civiles, les guerres en termes, sont d'une cruauté extrême. Les guerres civiles, en Espagne, par exemple, les diverses guerres civiles au Portugal, ce qui se passe dans les pays africains, par exemple en Angola en 77,
dans une guerre civile, ils ont tué, on ne sait pas le nombre, mais on calcule quelques experts, ça va chercher dans les 80 000 personnes. C'est-à-dire plus que Pinochet pendant 10 ans. Tout cela en 3 mois. Mais ça a aussi à voir, il me semble, je ne sais pas quel est votre avis, la façon dont les Africains regardent la vie et la mort, qui est très différente de la nôtre, comme leur notion du temps est très différente du nôtre. Là, je vous suis profondément, comme la notion japonaise est terriblement différente de la nôtre. J'étais professeur invité en Chine et au Japon. En Chine, j'ai trouvé de l'ironie, j'ai trouvé une pensée qui pouvait comprendre la nôtre, pas au Japon. Au Japon, c'est une autre planète. J'ai eu des collègues japonais, et quand on osait leur parler des atrocités japonaises pendant la guerre, ils me regardaient en face, des professeurs d'université. Mais est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur? Vous avez capitulé. Et si on se rend, on n'a plus aucun droit humain. Vous disiez cela, et je pensais à Diderot, à la lettre sur les aveugles. Quand il dit « Ah, madame, que la morale des aveugles est différente de la nôtre. » Et je me demande si tout cela n'est pas une question de cécité, d'incapacité de voir. Je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus. C'est la fameuse lettre volée de Edgar Allan Poe. La chose est devant nous et on ne la voit pas. On ne veut pas la voir. Il y a des mentalités très... Écoutez, la France et l'Angleterre, je dis ça avec un peu d'humour, j'espère, mais ça fait 20 000 lieues de mer. La petite Manche sépare deux conception profondément différente de l'homme, de l'histoire, de la loi, le règne de la loi en Angleterre. Une conception totalement différente de la politique. Et on n'aurait pas cru qu'après des siècles d'être voisins, la distance resterait si grande. De Gaulle qui détestait l'Angleterre. L'Angleterre, il y a des moments où j'ai des collègues très distingués à Oxford, à Cambridge, qui moitié humour, moitié, et la moitié de l'humour c'est toujours dangereux, qui disent la seule guerre populaire serait contre la France. Là tout le monde serait volontaire. Bien sûr, c'est une plaisanterie, mais elle est riche de sens. Et je ne crois pas qu'on puisse faire ça d'un jour à l'autre. Regardez la crise économique en Europe maintenant. Les pays méditerranéens, tellement lointains des pays de l'Arc du Nord, tellement lointains. Nous avons des millions de touristes anglais qui vont au Portugal, en Espagne, en Italie, en Grèce, pour lesquels c'est une autre planète. C'est une étrange petite planète avec du soleil. Et ils n'ont pas changé d'avis. J'avais espéré que le tourisme serait une grande éducation. Je ne crois pas qu'il l'est. Ce n'est pas une grande éducation. C'est très curieux, car j'ai un son très mélangé, brésilien, allemand, portugais, etc. Et donc je vois, j'ai pas du tout l'air portugais d'ailleurs. Quand je suis venu à Londres après la fac, à l'hôpital, le directeur me disait « You don't look like a Portuguese yes. ». Puis il ajoutait « But you don't look like an English either. » Et son visage transformé, il disait « You look like a German. » C'est très curieux cela. Comment nous jugeons les gens d'après leur visage, d'après leur,
les choses les plus superficielles, etc. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tout est fait contre nous. La chose la plus chère, c'est le temps. Et je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais j'ai l'impression de toujours négocier avec le temps. Laisse-moi, laissez-moi. Et faire encore un livre. Faire encore un livre. Faire encore un livre. Il y a un phénomène très curieux qui a été étudié. Quand vous êtes dans un autobus, dans un tramway, dans une ville où vous ne comprenez pas la langue, vous croyez que tout le monde est en train de crier. On a étudié ça. Et tout d'un coup, on a peur. Il y avait un magnifique film de Ingmar Bergman qui s'appelait « Le silence », qui a joué avec ce concerto-là. La peur que donne la langue qu'on ne comprend pas. Tout d'un coup, on se sent en danger. Et j'adore les langues. J'ai peur d'une langue UNESCO anglo-américaine. Je déteste la victoire d'un certain anglo-américanisme dans toutes les langues. Mais les langues sont en train de résister. Il y a une grande renaissance. Regardez la fortune du Portugal au Brésil, de l'Espagne en Amérique latine. Regardez le retour formidable des langues de l'Europe orientale, l'ukrainien qui reprend, le roumain se tient, le hongrois se tient. Là, le triomphe anglo-américain n'a pas emporté. Mais de l'autre côté, il y a le terrible chauvinisme, il y a le patriotisme du fasciste, particulièrement fort maintenant, de nouveau, en Hongrie, en Roumanie, en Pologne, en Ukraine, précisément, autour d'un fascisme racial et raciste. Et même là où les immigrés, dans les bidonvilles de Paris, dans les slums de l'Italie, les gens commencent à avoir la panique devant l'immigré. Alors là, j'ai peur que nous aurons de très mauvais temps qui viennent. Car on a peur de la différence aussi. On a très peur de la différence. Mais en même temps, c'est curieux. Je crois que la chose la plus dangereuse au monde, ce que j'ai senti dans la peau au temps du fascisme au Portugal, c'est les grands substantifs abstraits. Honneur, patrie, gloire. C'était au nom de ces substantifs abstraits qu'on envoyait les jeunes gens à la guerre. C'est très curieux cela. Et que les hommes politiques aiment l'humanité, mais pas les hommes. Mais on a cru, vous le savez, en 1913, les grands socialistes, les Liebknecht, les Luxembourg, Jaurès en France, ont dit « nous ne marcherons pas à la guerre ». Nous sommes des prolétariens socialistes, nous n'avons aucune querelle entre nous. Et nous savons, d'après les documents, que les armées avaient très peur de leur propre populace, beaucoup plus que de l'ennemi. Et tout le monde a marché. On a assassiné Jaurès, on va tuer Liebknecht et Luxembourg, les prolétariats ont marché à la mort par millions. Ils n'ont pas dit non. Aujourd'hui, qui oserait dire non si la crise revient? Oui, il y a des démonstrations même à Wall Street. Oui, les jeunes disent nous n'allons plus servir. Il y a des résistances civiles même en Israël où beaucoup de jeunes gens ne veulent plus aller à l'armée. Mais hélas, hélas, quand l'heure vient, le patriotisme est comme une drogue, comme une narcose, comme une hypnose de masse. Et je crains que ni les femmes, ni les jeunes encore n'arrivent à arrêter les folies militaires. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en Afghanistan? Nous mourons tous les jours, des jeunes Anglais, pour rien. Et tout le monde sait que c'est pour rien, for nothing, nothing. Mais vous n'avez pas ici un mouvement
de masse, ou même un mouvement élitaire qui dirait « il faut partir, il faut terminer cette guerre ». Donc les mots de Jaurès à l'Assemblée nationale continuent d'être vrais. Monsieur, vous vivez mal. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on continue de vivre mal. Mais ça, c'est quelque chose que, avec mes entrailles, je n'arrive pas à comprendre. J'ai vu et j'ai participé à des choses, bon, terribles, ou pas agréables. Et ce qui m'étonne le plus, c'est que l'absence de culpabilité, mon absence de culpabilité, j'ai parlé de ça avec ce capitaine dont je vous ai parlé, et je lui ai demandé, mais pourquoi on ne ressent pas de culpabilité? Et on ne trouvait pas de réponse. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas coupable? Il y a des cas extrêmes. J'ai encore un philosophe français qui a été envoyé en Algérie, dans ce qu'on appelait le contingent, l'armée professionnelle. Et il y avait un prisonnier, l'histoire est vraie, un prisonnier dans la chambre, un Fellahim, un résistant algérien. On dit à mon collègue, les bombes sont cachées dans le village. Si nous ne découvrons pas où sont les bombes, elles vont éclater, des villageois vont être tués et tes camarades vont être tués. Tu dois torturer cet homme pour avoir l'information. Si tu ne veux pas, rien ne t'arrivera, rien. Tu pourras quitter la chambre. Et tout. Mais les morts seront sur ta responsabilité. Et il y a un petit nombre, très petit, de jeunes officiers français qui ont trouvé la solution. Ils se sont tués eux-mêmes. Et quand j'ai expliqué ça à mes élèves, ils disent non, ce n'est pas une solution. Parce que le prochain va le faire. Le prochain viendra et fera l'attentat. Mais néanmoins, à l'échelle morale, Kant aurait approuvé cette solution. Parce que j'espère, maintenant je suis tout vieux, donc ça n'a plus aucun intérêt, mais j'espère que jamais je ne pourrai torturer un autre être humain. Jamais. Sous aucune circonstance. J'espère. Mais il paraît que personne ne sait comment ils vont se comporter in extremis dans la situation. Et vous avez dû voir des exemples de ça. Ce n'est pas la première fois que vous dites que vous êtes un monsieur âgé. Et chaque fois que vous dites ça, moi je pense à Ernest Junger, que j'ai bien connu à Paris. On était dans la même maison d'édition. Et quand je l'ai vu avec Saint-Ouen, avec 80, 19 ans, etc. Et il me disait, tu sais, petit, plus je vieillis, plus j'ai d'avenir. Est-ce qu'on a le droit de blâmer notre âge? Moi, ça m'étonne, les rides dans le miroir le matin quand je me rase. Mais parfois, je me demande, est-ce que ces rides, elles sont à moi ou elles appartiennent à la vitre? Parce que... Il me semble, je ne sais pas quelle est votre opinion, qu'on a l'âge avec lequel on est né. Ça, je n'ose pas le croire. D'abord, un juif est né âgé de 5000 ans, à peu près. Tout juif porte depuis sa naissance un énorme poids de temps. C'est difficile à expliquer. Mais ce n'est pas une mystique. J'appartiens à un peuple, à une culture que le temps a marqué formidablement. Si vous voulez fumer... Votre femme est allée... Chercher un cendrier. Alors, je crois que nous sommes nés vieux. Et... Deuxièmement, l'âge nous libère
de certaines situations. Ah ça oui. Oui, et c'est important. Mais pour moi, cette question de la torture reste énorme, capitale. C'est... Est-ce qu'on touche à un autre être humain ? Merci, madame. Et j'espère que jamais je n'en serai capable. Mais en Angola, vous avez dû voir ce choix-là. C'est ce qui m'étonnait le plus, vous savez, c'est que c'était de bons garçons, de très jeunes garçons, presque des adolescents, et qui étaient capables des choses féroces et violentes, et une minute après, ils essayaient de sauver là, une vie absolument pareille à celle qu'ils avaient achevée une minute ou deux minutes ou cinq minutes avant. Donc peut-être qu'il n'y a pas un sentiment sans son contraire. Peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas de courage sans lâcheté, de bonheur sans malheur, etc., etc. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je parle des choses que j'ai vues et nous sommes tellement beaucoup plus riches et paradoxales. Et en même temps, mais là vous étiez, par exemple, quand on est arrivé là, on regardait le ciel et on pensait qu'est-ce qu'on fait ici ? Des étoiles complètement différentes. Il n'y avait pas les ours, etc. Donc tout était différent. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Un sentiment d'étrangeté absolue. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On se sentait des étrangers. Et curieusement, il y avait là un prêtre basque qui avait été forcé d'abandonner l'Espagne à cause de Franco et qui avait fait une immense collection de proverbes qui étaient exactement pareils aux nôtres. La seule différence, c'était les animaux qui étaient différents, la façon de dire, l'essence était absolument pareille. Absolument pareille. Et on sait maintenant qu'on a détruit une civilisation beaucoup plus avancée qu'on ne pensait. Et en même temps, une chose qui m'étonnait chez ces gens-là, chez l'Africain, c'est la notion du temps. Ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Il n'y a pas, comme chez nous, de passé, présent, futur. Il y a un immense présent qui contient le passé et le futur et qui roule. Et ça, quand vous écrivez, vous aide à résoudre le problème du temps. Ça, c'est magnifique. Comme... Et une sagesse. Après la Révolution, un vieux philosophe portugais, on l'a invité pour présider la commission contre l'analphabétisme, qui est immense au Portugal. Et il me disait, tu sais petit, ça m'embarrasse, car la plupart des gens cultivés que je connais, ils sont analphabètes. Mais... Oh, après tout, Socrate et le Christ étaient analphabètes, voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Une bonne tradition. Est-ce qu'il y a eu autour de vous parfois des cas de suicide? Est-ce que vous avez perdu un ami ou quelqu'un? La perte d'un ami, c'est une chose atroce. Mais est-ce que le suicide a fait partie de vos expériences? Le suicide? Dans ma famille, oui. Mais puis après, au début, quand j'étais jeune médecin, et j'ai utilisé ça dans un livre, car il m'a toujours... Ce qui m'a toujours étonné en travaillant avec les gens qui avaient essayé de suicider, c'est le sentiment d'éternité. Oui. C'est très étrange cela. Par exemple, un de mes arrière-grands-pères, que je n'ai pas connu, c'était un médecin, il s'est tué à son canton. Il avait un cancer. Oui. Et dans la lettre qu'il a laissée, c'était pas lui qu'il tuait, c'était le cancer qu'il tuait. Pour pouvoir vivre éternellement avec sa santé. Et le sentiment d'éternité, c'est les gens qui avaient fait un petit suicide, m'a toujours étonné. J'ai perdu quelques étudiants au suicide. C'est une chose terrible pour un professeur. Et on se dit toujours, est-ce que j'aurais pu l'empêcher? Est-ce que j'aurais pu deviner? Le suicide des jeunes est un phénomène assez mal compris, mais pas si rare que ça.
Et il y a un roman que personne ne lit, mais pour moi c'est un grand roman de Paul Bourget, Le Disciple, où il s'agit de tout ce problème, le problème du suicide des jeunes et du rôle. Je crois que aujourd'hui, notre grand crime, c'est de ne pas laisser beaucoup d'espoir aux jeunes. Qu'est-ce que nous leur laissons en ce moment comme vision? Ne vous fâchez pas si je dis, même un fasciste convaincu avait une vision. C'est une vision infernale. Mais c'était un programme. C'était un but, un communiste, un sioniste, un fasciste, même un nazi, qui voyait quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils se sont trompés terriblement, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais la vie avait un sens. Qu'est-ce que nous laissons aux jeunes aujourd'hui? Dans la guerre des contras au Nicaragua, vous vous souvenez, j'avais 6 jeunes gens, nous les prenons dans petits groupes à Cambridge, dans mon, ce qu'on appelle mon tutoriel, ma séance. Et j'ai dit à ces jeunes gens, vos pères ont quitté Cambridge pour mourir à Madrid, Huesca, Barcelone, dans la guerre civile espagnole. Beaucoup de jeunes sont morts. Est-ce qu'un de vous ira au Nicaragua? Et m'ont écrit une lettre très polie, mais très importante pour moi. Cher monsieur, si nous allons pour la gauche, ça finira par un stalinisme atroce. Si nous allons pour la droite, ça sera la CIA et le Pentagone atroce. Et puis est venue la phrase la plus importante, « We will not be had again ». Très difficile à traduire. On ne va pas nous attraper, on ne va pas nous piéger à nouveau. Cher maître, si on sait à 18 ans et à 19 ans qu'on ne sera pas piégé, c'est terrible. Ce n'était pas du cynisme du tout, mais du réalisme. Savoir à 19 ans qu'il n'y a rien pour lequel on veut mourir, je crois que c'est très très triste. Mais vous croyez que c'est un problème de cette génération-là, maintenant? Énorme. On veut gagner de l'argent. Nos jeunes gens les plus doués quittent Cambridge pour la banque, le hedge fund, et même avec la crise actuelle, on peut gagner des salaires énormes à la bourse. Ils ne veulent plus entrer en politique. La politique est devenue le refuge des médiocres. Vous savez, c'est peut-être trop intime de parler de ça, mais le suicide est quelque chose qui est toujours présent pour moi. Depuis mon très jeune âge, j'ai eu quelques maladies affreuses en étant très jeune, etc. Mais il y a une immense tendance autodestructive en moi. Ce qui m'a toujours sauvé, c'est l'écriture, c'est les livres, c'est le désir d'écrire, c'est la sensation. C'est très étrange, je peux pas expliquer cela d'une façon rationnelle. Je dois écrire, on m'a donné cela, et je dois le transmettre. Ça ne m'appartient pas. Et ça m'a toujours sauvé de la mort, et des idées d'autodestruction qui sont constante, moi, surtout entre les livres comme là, comme je suis maintenant, où tout m'apparaît sans aucun sens. Hegel, qui pouvait être très méchant, comme tous les grands penseurs, Hegel avait une blague, il disait « Pourquoi est-ce que le juif ne se tue jamais? C'est parce qu'il veut lire le journal du matin. » C'est au fond très profond. J'ai eu des moments, comme tout être humain, de dépression terrible, ou le sens de médiocrité, la grande déception. J'avais espéré être, comme vous l'êtes, un écrivain, non pas un critique ni un professeur.
Alors, il y a eu des moments très noirs. Mais je voulais voir le journal du lendemain. C'était absolument vrai. Je me passionne pour la réalité, le mouvement de la réalité, l'élan, dirait Bergson, l'élan de la durée, l'élan. Alors, se tuer, ça veut dire on ne verra pas le journal. Et ça, c'est très... Ça, pour vous, c'est ne pas écrire. C'est beaucoup plus noble et beaucoup plus important. Je ne sais pas. C'est Mais le journal aussi a son importance. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand vous n'écrivez pas, vous ne ressentez pas une culpabilité profonde. Ça, je n'ai pas. Je suis probablement avant tout professeur. Ça a été ma vocation. Ma culpabilité, c'est d'être un mauvais professeur. J'avais toujours peur. Est-ce que j'ai le droit d'enseigner? Qui me donne le droit? C'est un droit énorme, moral, psychologique. J'ai écrit un petit livre, Maîtres et disciples, où j'étudie ce phénomène. Et je me suis toujours dit, de quel droit est-ce que tu entres dans une salle donner un cours? Ça, oui. Mais c'est comme pour vous, écrire, l'enseignement a été une vocation pour moi. Et le mot rabbin, rabbi, veut dire professeur, rien d'autre. Rabbonim. C'est tout simplement le monsieur qui donne des cours. Et c'est... Je n'ai pas choisi ça, ça m'a choisi comme la littérature vous a choisi, l'écriture. Et ça m'a apporté des angoisses énormes et un bonheur énorme. Et quand j'ai dû quitter l'enseignement, ça a été le coup le plus dur pour moi. Mes étudiants me manquent énormément. Je pensais que mon père, il était professeur. Et puis, quand il a dû prendre sa retraite à 70 ans, j'avais l'impression qu'il a encore vécu de nombreuses années, qu'il était en même temps son maître et son disciple. Oui, on essaye. C'est une très belle formule. On essaye. Mais me manque la contradiction. Le bon élève qui dit non, ou qui... Vous savez ce que je veux dire? Me manque la résistance, la main qui s'appuie contre une résistance vivante. Vous avez toujours la résistance antérieure, votre résistance antérieure, on sent ça dans vos livres. Vous êtes tout le temps en train de remettre en question, Oui. Vous avez raison. Vous affirmez. Il ne faut pas être d'accord avec soi-même. Voilà. Vous avez mille fois raison. Mais pour vous, il y a cette chose qui, pour moi, est le miracle d'un grand écrivain, la création du personnage. La création d'un autre être vivant, comme dans vos livres, la création d'une vie autonome. Et ça, seulement le grand romancier, le dramaturge, peuvent le faire. C'est de peupler le monde. C'est cette chose merveilleuse, vous le connaissez, au moment de sa mort, Flaubert crie à haute voix, alta voce, je vais mourir comme un chien et cette putain de Bovary va vivre toujours. Mais c'est immense, c'est immense. Il avait raison. Ça, c'est le problème créateur-création. Cette phrase-là de Flaubert me vient souvent à la tête. Car pour lui, c'était trop injuste, cela. Trop injuste. Et dans un certain sens, il avait raison. Il avait raison. Car enfin, il y a au bout, peut-être sous tout cela, il y a une quête d'éternité. Balzac, sur son lit de mort, veut appeler par leur nom les médecins imaginaires de la comédie humaine. Voilà. Mais c'est merveilleux. Voilà. Et parfois, dans les personnages des livres que j'aime bien, je m'attends toujours à les trouver au coin de la rue. Oui, c'est oui. C'est vrai que sont devenus tellement réels. Erasme est en train de se promener dans la rue à Bâle, une nuit d'hiver, sous la pluie, et il voit un petit morceau de parchemin imprimé. C'était le début de l'imprimerie. Il crie « Miracle, miracle, une parole,
une parole. Découvrir la parole par terre, dans un coin. Découvrir tout d'un coup un livre qui commence à vous parler, qui peut changer votre vie. Quel est votre rapport avec vos éditeurs? Très très bon avec Gallimard, très bon avec New Directions, une amitié intime avec Zurkamp, mais intime, j'ai là-bas un homme merveilleux, un très bon ami chez Garzanti, puis Ciruela à Madrid. J'étais chez Ciruela plusieurs fois. J'ai rencontré mes éditeurs portugais, ça varie, ça dépend, mais ils perdent tous de l'argent avec moi. Je n'ai jamais eu un... Je ne crois pas. Je ne crois pas, car finalement, vous êtes un long-seller, ça. Même s'ils nous vendent, imaginons. J'ai eu un petit pamphlet qui s'appelait « 10 raisons de la tristesse de la pensée ». Ça a vendu 45 000 en Allemagne. Parce que c'est un livre très allemand. C'est presque pensé en allemand. Ça sort de la philosophie allemande. Et maintenant, j'ai un nouveau livre qui paraît le 10 novembre. Alors, on verra. On verra. En Allemagne, là ? Non, en Allemagne, plus tard. Il paraît à New York et à Paris le 10 novembre. Version anglo-américaine et version française. Et ça, évidemment, que ça vaut... Et il va paraître en espagnol plus tard. Là, je pense un peu comme Graham Greene, qui se demandait dans son journal comment est-ce que quelqu'un qui n'écrit pas, il arrive à vivre avec l'absurde du quotidien. Est-ce que vous pourriez vivre sans écrire? Si je pouvais de nouveau enseigner, si j'avais mes élèves dans cette chambre, oui. Mais, écoutez, j'ai eu la veine immense d'être, il y a là un portrait qu'on vient de mettre à l'Université de Londres, Il Postino. J'ai demandé qu'il y a une belle salle à l'Université de Londres qu'on appelle la salle Stenner, en mon honneur. Et j'ai dit non, je veux que ce soit Il Postino, parce que connaissez-vous le film sur Neruda, Il Postino? Oui. C'est ma définition, je suis le Postino. J'apporte les lettres des grands écrivains. Et il faut les mettre dans les bonnes boîtes. C'est pas toujours facile. Alors, on explique aux jeunes à l'Université de Londres pourquoi il y a ce monsieur. Et eux, ils croient tous que c'est mon nom, Il Postino. J'ai dit, n'expliquez pas, c'est beaucoup mieux. Laissez-les croire. C'est un grand privilège d'avoir, dont le couronnement est votre présence ici. C'est merveilleux d'avoir pu porter les lettres. Je n'étais pas banquier, je n'ai pas vendu des manteaux de fourrure, il y aurait eu tous les désastres possibles. J'étais un postino. C'est ça le professeur, le bon professeur. Il ouvre les livres à d'autres, il ouvre les moments à d'autres. Et j'ai eu des élèves énormément doués, ça aussi c'est un grand privilège. Savoir qu'ils sont plus doués que vous-même. Ça, c'était ce que mon père disait. J'ai jamais compris sa passion d'être professeur. Pour lui, c'était une vraie passion. Pour moi aussi. Il se réalisait quand il, dans ses cours à la fac de médecine. Pour lui, c'était un immense plaisir. Et après sa retraite, il enseignait ses petits-enfants. Bien. Et même pour nous, je me souviens qu'à 7 ans, on a voyagé en auto jusqu'à Padoue, etc., l'Espagne, la France, la Suisse, l'Italie. Et je me souviens de ces discours d'une demi-heure devant le Tintoretto, devant tout ce monde-là. Pour moi, c'était tellement ennuyeux pour un enfant. La perspective des toits, du Tintoretto, pour lui, il avait la passion. Mais vous ne l'avez pas oublié. Non. Voilà. Non. Donc c'était un bon professeur. Permettez-moi une dernière question. Quel est votre prochain livre? Est-ce qu'on a le droit de demander? Je ne sais pas. Je viens de finir un livre et je ne sais jamais ce que je... Je ne sais même pas si le livre viendra. Ça, c'est la grande angoisse. Est-ce que je serai encore capable d'en faire un? Je ne veux pas finir.
Je sais pas, je me... la... C'est un roman? Je ne sais pas si c'est des romans. Chaque fois, de plus en plus, les gens, ça me paraît arbitraire. Poésie, roman, conte, etc. Qu'est-ce que c'est que les... Je ne sais pas, et puis il y a des miracles. Vous avez parlé de Tchekhov. Ce qui m'étonne le plus, c'est comme... Il construit tout un monde avec rien. J'ai froid, il va pleuvoir demain. Il y a des fleurs. Hein. Il arrive à tout dire avec ces choses-là, avec ces petits riens. À la fin du banquet de Platon, Socrate prouve que le grand comédien, auteur de comédie, et le grand tragique, c'est la même chose. Mais comme vous le savez, tout le monde est ivre et la preuve ne s'est pas donnée par Platon. C'est génial. Tchekhov est la preuve. Il n'y a rien de plus joyeux et triste au même moment que chez Tchekhov. La joie triste, la triste joie. Et c'est miraculeux, comme la fin du Figaro de Mozart. Et son immense bonté. Son immense bonté. Pour tous ses patients aussi. Oui. Et il meurt tout jeune. À 44 ans. C'est... À 44 ans. Et en même temps, ça, son incroyable beauté physique. Oui, les yeux, ça. Et vous savez, 10 fois par jour, je me dis, comment est-ce qu'on a pu laisser mourir Schubert? À 30 ans, 29 ans. 29 ans. 29 ans. Et la dernière année de sa vie, plus de 100 grandes compositions. Plus de 100. Oui. À 29 ans. En même temps, vous avez dit cette phrase, ça m'est venu à la tête, une phrase, cette Saint-Exupéry à propos des morts dans la guerre. C'est un peu de chacun de ces hommes Mozart assassiné. Est-ce que vous êtes, est-ce qu'il y a des jeunes écrivains qui vous intéressent, qui vous passionnent en ce moment? Vous savez, je relis plus que je ne lis. Donc, et je finis pour revenir toujours aux mêmes auteurs. Peut-être, mais on a une sorte de résistance parfois envers les nouveaux écrivains, les jeunes écrivains. On a une sorte de résistance. Je ne sais pas, car par exemple, l'autre jour, je lisais Costolani, un auteur hongrois que j'aime beaucoup. Et à chaque nouvelle lecture, ça me semble un nouveau livre. Un livre différent. Un livre qui vient d'être écrit, là. Pour moi, c'était... Ça, c'est une des qualités de la grande écriture. C'est plus facile de trouver ça devant un poème, n'est-ce pas? Mais le poème, on peut l'apprendre par cœur. Voilà. Voilà. Et ce qu'on apprend par cœur... Ça, c'est une chose très importante, ce que vous dites. Par cœur, pas voilà. Par cerveau. Ça va par cœur. Et c'est une phrase importante, par cœur. Parce qu'apprendre la prose par cœur, c'est très difficile. Mais le poème, ça va, on peut le prendre avec soi. C'est le bagage essentiel de l'âme. C'est la petite valise qu'on prend avec ça, le poème. Ma femme et moi, nous sommes en train de relire pour la troisième fois Le Grossman, vie et destin. Je le place avec Tolstoï. Je crois que c'est tout aussi grand que Guerre et paix. Et chaque fois, ce roman immense prend une nouvelle vie en nous. En relisant, c'est une nouvelle rencontre. Ça, je crois, c'est la vraie définition de l'œuvre classique. Elle vit avec vous. Elle change avec vous. Et l'œuvre médiocre, merci, c'est fait. Adieu. Mais l'œuvre classique est toujours nouvelle. Il y a eu cette belle phrase de Ezra Pound, c'est une nouvelle qui reste nouvelle. It is news that stays new. Et ça, ça le définit très bien. Et c'est curieux, quand vous lisez, vous avez parlé de Guerre et paix, c'est un roman dont on peut parler, car c'est un roman en même temps très inégal. Oui, comme la vie elle-même. Ça commence comme une saga de famille, ça finit comme une épopée, comme la vie elle-même. Il y a... Les influences sont toutes là, et Tolstoï ne les a même pas niées. Il a volé Stendhal, il a volé les Richardson, les grands auteurs anglais du 18e siècle. Mais il y a des œuvres parfaites.
Il y a des œuvres où on ne peut pas supprimer une seule page. La Chartreuse de Parme. Ça, c'est parfait. Parfait. Il a dicté ce livre en 28 jours. Je pensais que c'était 57, mais la plupart, c'est dicté. Mais par exemple... Non, pas. Le Rouge et le Noir, il a écrit. La Chartreuse, il a dicté. La mort d'Ivan Illich. Je ne peux pas changer un mot. C'est pas une... Peut-être, d'autre part, dans Résurrection, on pourrait beaucoup supprimer. Pas dans Anna Karénine. Anna Karénine est presque parfait. C'est un très bon roman. Très bon roman. Ou Les âmes mortes. Ou ce livre, qui c'est même pas un livre. Je sais pas, c'est un cauchemar, c'est un rêve. Les eaux du Revent d'Emily Bronté. C'est un roman qui m'étonne toujours. Le Wuthering Heights. Ah oui, Les hauteurs du Hurlevent. Ouais. Un peu hystérique. Vous n'aimez pas ça? Moi, j'aime beaucoup ça. C'est un peu hystérique. C'est la jeunesse en oui, vous bien qui sûr, parle. Ça peut, et ça pleure et tout cela, mais j'aime beaucoup ça. Vous êtes sûr que ce n'est pas du kitsch merveilleux? Oui, bien sûr, et puis après. Oui, et puis après. Vous avez raison. Jane Eyre est beaucoup plus adulte. Beaucoup plus adulte. Mais je finis toujours par revenir aux auteurs de Hurlevent. Non, je finis toujours par revenir au latin, à Ovid, à Horace, à Virgile. Oui. Et ça, votre style, il y a des latinismes, me dit-on. Vous avez été influencé par la littérature romaine et latine dans votre propre portugais. Si, oui, j'essaye de traduire les poètes romans du livre avec ce doigt pour substantif, ce doigt-là pour le verbe, voilà. Pour essayer de... Et c'est extraordinaire ce que ces hommes... Et en même temps, la conscience de on dit officio en portugais, du travail. Par exemple, quand Horace disait un auteur doit écrire 10 heures par jour, 2 pour écrire et 8 pour corriger. Oui, oui. N'est-ce pas? Ce qui est... Il y a tellement... C'est une... Loterie, c'est un Monte Carlo. La question de la traduction pour un auteur dans une langue comme le portugais. Qui va me traduire pour que mes lecteurs puissent me découvrir? Je pense à Camoès. Les Louisiades, il y avait un très grand poète avec un portugais parfait, Roy Campbell, qui allait les traduire. Ça aurait été, je crois, le bon miracle. Il est mort avant de le faire. Nous n'avons pas une bonne traduction, pas une seule. Et donc, ça reste une épopée inconnue du monde anglo-américain, du monde. Il y avait des gens qui connaissaient cela bien, par exemple, Melville. Oui, mais ils sont très, très rares. Il a fait Moby Dick, un peu basé sur la Lusiade. Problème du portugais. Vous savez ce que Cervantes il disait de la langue portugaise? Il disait que l'espagnol c'était du portugais avec des os. Il n'y a pas de petite langue. Ça n'existe pas. Chaque langue est infinie. Mais dans le monde, dans l'économie de l'édition, de l'éducation, de la publication, pour ceux qui écrivent dans une langue minoritaire, ça peut être très difficile. Très difficile. Regardez le cas de Pessoa. Et puis il y a le problème des traducteurs. Voilà. Et parfois les éditeurs ne se rendent pas compte que l'important c'est pas traduit directement du hongrois, par exemple. Le problème c'est la langue d'arrivée. C'est que le traducteur sache travailler bien avec sa langue, avec sa propre langue. Ça c'est très important. Vous m'avez dit que vous êtes satisfait de l'allemand, de vos traducteurs. Oui. Et l'allemand est très loin du portugais. C'est une traductrice qui a un grand-père portugais. Et son père était professeur portugais à Hambourg. Donc elle parle portugais comme moi. Elle a des frères qui vivent au Portugal, etc. Donc elle connaît très bien. Elle est dans la sauce. Mais c'est très difficile. Toutes les traductions, par exemple, j'ai jamais trouvé une bonne traduction de Gottfried Benn. Non. À chaque fois, c'est un poète différent. Ça dépend du traducteur.
On décrit que c'est facile à traduire. Vous admirez Gottfried Benn. Oui. Oui. J'aime beaucoup. Oui. Un monsieur étrange. Un médecin. Un médecin. Un médecin, voilà. Un dermatologue. Voilà, un pathologue. Un dermatologue. Un pathologue. Est-ce que vous avez lu Faulkner d'abord en anglais ou en portugais? Non, non, non. J'ai commencé à lire en français, puis j'ai lu en anglais. Faulkner, c'est très important pour un débutant. Très, très important. Je voudrais dire que vous... Tout le revers du scénario est... Vous et Faulkner, vous êtes les deux maîtres du temps, quand le temps passé entre dans le présent. La terrible puissance du souvenir historique pèse chez vous et chez Faulkner. Pour moi, vous êtes les deux grands maîtres de la réminiscence active. On n'a pas un bon mot pour ça. Il y a un autre auteur dont vous avez parlé à propos de moi, qui était très important pour moi, que j'ai connu beaucoup plus tard, c'était Conrad. Quel écrivain, mon Dieu. Ouais. Et son anglais, c'est tellement... Un homme qui a 22 ans ne parlait même pas l'anglais. Mais Nabokov recrée l'américain. Oui. Il invente la langue anglo-américaine. Il y a des magnifiques textes anglais, des poèmes de Borges. Magnifiques. Oui, très bien. Mais ah. Je vais poser une question. Ça vous agace pas quand vous lisez Nabokov? Car moi, je le sens tout le temps en train de me dire, regarde comme je suis intelligent, regarde comme je suis intelligent, regarde comme je fais ça. Alors, vous avez absolument raison. Mais mea culpa. J'adore le jeu d'échecs. Alors, c'est le meilleur roman. La défense de Lujin, c'est le chef-d'œuvre. C'est plus grand que Stefan Zweig. C'est le roman du jeu d'échecs. Le plus beau qu'il y a. C'est Nabokov qui l'a écrit. Alors, d'abord, j'ai des préjugés en sa faveur. Deuxièmement, il y a dans M. Pnine, il y a dans Beheading, dans les romans plus courts, un humour unique, une sorte de méchant sourire unique. Non, mais je conteste pas cela. Et Lolita, pardonnez-moi, de voir tout le temps. Lolita est un miracle. Avant Lolita, il n'y avait pas. Après le livre, elles sont à tous les coins de rue. Il a créé ce qui était déjà là. Et créer ce qui est déjà là, c'est un rare miracle. Tout à coup, on les voit partout dans leur mini-jupe. Oui. Et c'est lui qui a vu ce que nous ne pouvions pas voir sans lui. C'est un livre fantastique. La chasse à travers l'Amérique, de motel en motel. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Même des prénoms des jeunes filles. Mais Humbert Humbert, le nom de Humbert Humbert. Un coup de génie. Il y aurait toute une étude à faire sur l'invention des noms. J'ai parlé de Paul Bourget. Adrien Sixte, son philosophe. Mm. Le nom est un coup de génie. Adrien Sixte. Monsieur Test, chez Valéry. Monsieur Test, cette invention. Même le bardamut de Céline. Oui, oui, le bardamut de Céline. D'ailleurs, maintenant, en France, juste avant sa mort, Sartre, qui n'aimait jamais faire un compliment, jamais, Sartre a dit à Benoît Lévy, « Taisez-vous, ce n'est pas le siècle de Sartre, un seul de nous va survivre, Céline. » Céline et Proust. Pour moi, c'est Céline et Proust. À la fin, pour ça... Moi aussi. Ils ont divisé la langue française. Oui. Et Proust, c'est un auteur très curieux, car son alter ego, l'auteur avec lequel il voulait se mesurer, c'est... comment s'appelle-t-il toujours? Je viens de l'acheter en la Pléiade, tout cela, des 8 volumes Saint-Simon. C'est toujours Saint-Simon qu'il avait dans la tête quand il écrivait. Et Saint-Simon, c'est magnifique. Il avait aussi... Vraiment, il connaissait à fond son Balzac. Oui. La technique a été très importante pour lui. Mais géant des géants, géant des géants. Et pas un monsieur qu'on aurait
Et mais il a fait torturer des animaux, vous le savez, etc. Des choses terribles dans son bordel. Il était un voyeur de bordel. Mais... Bon, alors, et Céline était le dernier des salauds, le dernier des salauds. Ça ne fait rien. Ils nous ont donné tellement. C'est nous qui sommes les récipiendaires de leurs dons, de leurs... Ils nous ont donné des mondes. Moi, j'adore les trois derniers romans de Céline. Château, d'un château l'autre, Nord et Rigaudon. Sa fuite à travers l'Allemagne. L'Allemagne en flammes. Il y a des scènes dignes de Shakespeare dans ces trois livres. C'était un atroce géant. Et comment tout cela... Je lui avais écrit quand j'avais 14 ans. Je lui ai écrit à Céline. Et il m'a répondu une lettre très gentille dans un papier jaune. Et j'ai porté pendant des années et des années l'enveloppe où il avait écrit mon nom. J'avais 14 ans. C'était une... Vous avez découvert... grande joie de ma vie. J'avais découvert car mon père a fait sa formation en Allemagne. C'était un neuropathologue. Et la grande école de neuropathologie, c'était en Allemagne. Et là, il a travaillé avec... Le Semmelweis, vous connaissez. Il a travaillé avec le célèbre professeur Wolf, qui avait été persécuté par les nazis. Et qui... Ils ne nous ont pas emprisonnés, mais il avait une immense collection de cerveaux. Ils lui ont tout volé, etc. C'était lui et sa femme, tout seul, dans la forêt noire, en travaillant. Et donc, il avait tous les numéros de Je suis partout, tous ces écrivains-là... il avait une première édition de Mora Crédit. Il y a 14 ans, il m'a dit, lis ça. Non. Bagatelle pour un massacre et Mora Crédit, non. Mais là, pour un massacre, c'est atroce. Mais, Mora Crédit n'est pas très beau non plus. C'est un merveilleux début. Merveilleux début. Mais écoutez, il est beaucoup mieux de dire je ne comprends pas. C'est mieux que de raconter des bêtises. Monsieur Céline dit le matin publiquement il faut tuer tous les juifs. L'après-midi, il sauve les juifs dans son appartement. Il les traite comme médecins avec un désintéressement total. Bon. On ne comprend pas. Parfois, je me demande que il avait... Il devait fabriquer ses thèmes pour pouvoir créer. Oui, merci. Merci. J'ai débuté tout jeune en posant la question comment est-ce qu'on joue Schubert le soir et on torture à Auschwitz le matin, la même personne. Comme faisait Frank, le gouverneur de Pologne. Pologne. Et maintenant que je suis à la fin de ma vie, je n'ai aucune réponse. Mais ça va vous intéresser. Sur ce canapé était assis Koestler. Koestler venait nous visiter. Koestler était un homme d'une violence, d'une arrogance incroyable. Je ne faisais pas la moindre idée. Mais il m'a dit, tu poses des questions idiotes. La réponse est très simple. Nous avons deux cerveaux, un hypothalamus qui est le début d'un cerveau moral, esthétique, un énorme cerveau d'animal sadique et territorial. Et il faudra un demi-million d'années pour que le cerveau puisse trouver son unité humaine. Et on avait le droit de le contredire, jamais. Si on osait, il quittait la maison, tout de suite. Comme ça ? Oui. Alors je n'ai rien dit et... C'est de la blague. Il n'y a aucune preuve pour ça. Mais il était content de cette théorie, ça lui répondait la question. D'ailleurs, il était merveilleux. Il arrive à la porte et il me dit, avant même de dire bonjour, Georges, est-ce que tu sais pourquoi tes livres sont si médiocres ? Alors j'ai dit, Arthur, tu vas me le dire. Oui, tu n'as jamais été en prison. Et il a brillamment développé l'idée que de ne pas avoir été en prison au XXe siècle, c'est de ne pas avoir vécu sérieusement. Et il a brillamment. Lui,
connaissait la prison et quel livre, le Testament espagnol. Et ça lui a permis d'écrire Le Zéro et l'Infini, qui a changé l'histoire. Mais que voulez-vous, cher maître ? Être avec vous, c'est un privilège d'humanité et de tolérance. Pas tous les grands écrivains sont comme ça. Croyez-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? Comment ? Méchant. On doit être humble. Méchant, hargneux, arrogant. Sérieux, ça, c'est vrai ? Mais et quand ? Oh, monsieur Gilles. Je ne savais pas que Köstler, il était comme ça. Mais oui, ça lui a donné la force de survivre. Je lui pardonne tout, sauf le matin de son suicide, où il a forcé sa jeune femme à se tuer avec lui. Il va chez son vétérinaire, il avait deux magnifiques chiens, magnifiques, et il dit au vétérinaire, tu vas les piquer, tu vas les tuer. Et le vétérinaire dit, non, je les prends. Non, il a insisté que les deux chiens soient tués avant qu'il s'est tué lui-même. Il ne voulait pas qu'ils survivent sans lui. Comme les anciens qui se... Oui, dans leur tombe. Avec leurs chevaux et leurs femmes. Leurs chevaux, leurs chiens, leurs femmes, leurs esclaves, leurs éditeurs. Alors, laissez-moi vous remercier de tout. C'est moi qui vous remercie. Non, vraiment, de vous avoir dans ma maison. Ça a été très très touchant pour moi. Mais maintenant j'insiste. Je vous aime encore plus là. Maintenant j'insiste, nous avons préparé un peu de vin. Ah, merci. Monde. Et vous, c'est bon. Prenez un verre de vin. Un petit peu. Rouge ou blanc? Blanc. Blanc. Merci.